Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de grattage. Au rendez-vous aujourd'hui, 30 euros de mise, donc deux missions patrimoine. On aura le ticket hop là, 00 et le ticket 004. Donc j'espère qu'on aura la chance d'avoir un petit gain aujourd'hui, au moins 25 euros on va dire, hein, pour être remboursé, donc il faudrait au moins un ticket gagnant. Mais bon. Si on est bredouille, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment le plaisir de vous faire partager et de participer. Donc du coup, aujourd'hui, 30 euros de mise. Et du coup, j'ai oublié de dire hier sur la vidéo que bah du coup, suite au petit comment, au petit méga mot croisé, donc on avait eu 150 euros de mise. Et on a récupéré au total, on a récupéré combien? 70? On a récupéré 90 euros si je me trompe pas, puisqu'on a récupéré 60, 20 et 10. Donc ouais, c'est ça, 90 euros sur 150 euros. Donc voilà, donc on n'a pas eu de trop grosses pertes, hein. On aurait pu avoir pire si on aurait pris des tickets à l'affilée, donc je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Et la prochaine fois, on s'en fera un autre ticket, une moitié de carnet, mais par contre, je le ferai en une seule vidéo. Et je pense pas que je ferai le méga mot croisé. Je pense qu'on verra pour un autre ticket. Mais bon, en attendant, on va partir pour la session du jour. Donc, du coup, les deux missions patrimoine. Allez, on est parti. Donc, du coup, on va commencer. Donc, du coup, avec le ticket numéro 00. Alors, on va zoomer un peu. Je pense qu'on devrait être plutôt pas mal comme ça. Allez, c'est parti, on va regarder. Du coup, est-ce qu'en Martinique, on aurait du patrimoine? Alors, Martinique, il y a de la préservation locale, monument, architecture, région et sauvegarde. Donc, dommage, on n'aura rien du coup sur le jeu numéro 2. On va aller voir. Hop là. Bah non, j'ai pas besoin de bouger. En Réunion, est-ce qu'on aurait deux symboles identiques? Allez, c'est parti. Le fromage, la baguette et la cocarde, le raisin, le drapeau, ok. La petite rose, ici on aura quoi? La France et le coq. Donc si je ne me trompe pas. On n'a rien. Fromage, raisin rose. Non, on n'aura rien du coup sur le jeu numéro 1 aussi. On va passer au Hauts-de-France. Donc jeu numéro 3. Est-ce qu'on aurait la chance d'avoir plus de clés du coup que de travailleurs? Alors on commence avec un travailleur. Une clé. Un deuxième travailleur. Et une deuxième clé. Bon, pour moment, égalité. On aura quoi ici? Un troisième travailleur et une troisième clé. Allez, ici, petit suspense. On aura quoi? Ah, dommage. Un travailleur et un deuxième travailleur. Dommage, on avait eu un peu de suspense, mais ça ne donne rien. Allez, hop là. On va passer du coup au jeu numéro 4. Allez, en Pays de la Loire, on aura quoi? Le 36 et le 23. Le 29, le 10, le 44, le 16, il nous fallait le 36, le 49, le 45, le 5, ok, et le 34. Donc si je ne me trompe pas, on n'a rien d'autre. Donc on n'avait pas le 36, on n'avait pas le 23. On n'avait que le 16 qui se rapprochait un peu. Hop là. Donc 23 et 36. On n'a rien du tout. Allez, ici, symbole gagnant qui sera l'église pour le Grand Est. Est-ce qu'on aura la chance de retrouver l'église? Le moulin. Le château. La reine. La cathédrale. Le pont. Et le phare. Donc, on n'aura rien non plus ici. On passe au dernier jeu. Alors, dernier jeu. Est-ce qu'on aura trois gains identiques? Alors, 150, 15, 1500. Ok. Les 150 000,
50, les 150, les 500 plutôt, les 150, ils étaient en haut, les 25, ok, bon bah du coup on n'aura aucune chance parce qu'on avait même pas de doublon à part le 25, mais du coup sur la dernière chance, donc du coup on n'aura rien, c'était un x10, ok, bon bah ça ne m'étonne pas. Et du coup, on passe au ticket numéro 004. Espérons qu'on ait plus de chance sur ce ticket. Allez, on va partir. Du coup, on va faire quoi? Allez, on va faire la Corse et on va essayer de trouver deux symboles identiques. On aura quoi du coup en Corse? On aura le bonnet, la rose, le coq, la France. Ok, le drapeau. La cocarde et le raisin et la baguette. Donc du coup, là, on n'aura rien du coup sur le jeu numéro 1. Jeu numéro 2 en Guadeloupe. Est-ce qu'on aura du patrimoine en Guadeloupe? Déjà, il y a du monument, il y a du local, architecture, sauvegarde, région et préservation. Comme d'habitude, donc du coup, jeu numéro 2, perdant, on va se faire du coup, hop là, le petit jeu numéro 3 avec les clés. Donc, on aura quoi en Bourgogne, Franche-Comté? Est-ce qu'on aura de la clé? Déjà, il y a du travaux, ok. Travaux et clés, égalité pour le moment, un deuxième travaux et une deuxième clé. Ok, ici on aura quoi? Un troisième travaux et une troisième clé. Donc encore un petit suspense. On sait forcément que si on a un autre travaux, on aura perdu. Et si on a une autre clé, forcément, ce sera gagnant. Eh bien, on aura du travaux. Donc on n'aura rien du tout sur le jeu aussi numéro 3. On passe du coup en Guyane avec les numéros gagnants qui seront le 5 et le 11. On aura le 34, le 7, le 37, le 46, le 19, le 12. Dommage, il nous fallait le 11, le 42 et le 32. Donc, je crois qu'on a fait tout le tour. On va regarder quand même. Hop. Hop là, donc le 11 et le 5, hop, on n'a rien du tout, on n'avait que le 7, le 12. Dommage, dommage, on va passer ici à l'avant-dernier jeu, le jeu numéro 5, les symboles gagnants. Donc en centre Val de Loire, ça sera l'église, le symbole gagnant. Et là on aura quoi? Une arène, un phare, une cathédrale. Un pont, les ruines et le manoir. Donc on n'aura rien non plus ici. Bon bah écoutez, ça va sentir la session bredouille à partir de maintenant. Hein. À part si on a vraiment une dernière petite chance d'avoir au moins 15 euros ici. Mais bon, ça m'étonnerait. Allez, on va regarder du coup ce qu'on aura ici sous le jeu numéro 6 en PACA. Donc on aura quoi? On aura les 500. Les 1500, encore 1550, encore 1500, mais bon, il faut pas rêver, hein, franchement, 150, 150, donc on peut avoir soit 1500, soit 150, mais bon, ça reste quand même deux grosses sommes. Les 500, ok, allez, on va découvrir du coup notre dernier qui sera, bah du coup, les 15, parce qu'on n'avait eu aucun petit gain. Donc du coup, je perdant. Et ici, c'était un multiple fois 2. Bon, ben écoutez, aujourd'hui, pas eu trop de chance au rendez-vous, mais c'est pas grave. Hein. On fera mieux la prochaine fois. Donc du coup, deux missions patrimoine. Et les deux sont hélas perdants, mais c'est pas grave. On retentera notre chance très prochainement. Et voilà. Et je vous souhaite à tous une très belle journée sous la pluie, puisque nous, en ce moment, en région parisienne, il pleut pas mal. Donc, bah voilà, j'espère que vous avez meilleur temps que nous, mais bon. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. À plus tard.